nous étions plus de 1000 personnes. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer l'inaction climatique des décideurs et exiger une réponse à la hauteur des enjeux tant sur le plan. 2018, le mouvement pour le climat s'affirme et devient une force dans l'espace public en France. Alors que les marches du 8 septembre ont bénéficié de l'émotion suscitée par la démission de Nicolas Hulot, l'Organisation météorologique mondiale, comme chaque année, aura à compiler de nouveaux records de température mondiale sur la Terre, comme dans les océans, concentration de CO2 dans l'atmosphère, superficie des banquises, niveau des mers. Ces records transcrivent une profonde déstabilisation.